بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوب بالهداية والتقى وللطريق كي أراه يطيب دعوة لله رب العالمين تطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et bienvenue à tous et à toutes dans ces cours où nous sommes arrivés à la nasiha لأئمة المسلمين وعامتهم. يعني le conseil, la sincérité et la loyauté envers les dirigeants des musulmans. Et nous avons pu citer dans les cours passés que les dirigeants des musulmans, comme fait référence à cela Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi dans l'explication de ce hadith Ad-Din al-Nasiha, que la religion tout entière est Al-Nasiha. Il a traduit cela, il a expliqué cela par le fait que cela désigne deux groupes de personnes. Le premier groupe de personnes qui est désigné par les dirigeants des musulmans, ce sont les savants de l'islam. Ce sont les savants de l'islam qui ont une place dans la communauté, dans la société, qui orientent les gens, qui enseignent aux gens le bien et la religion. Et le deuxième groupe désigné par dans ce hadith, il dit rahimahullah, le deuxième groupe désigné sont les gouverneurs qui sont au pouvoir et qui ont pour rôle d'exécuter la religion d'Allah sur leur propre personne ainsi que sur les gens sur lesquels ils ont autorité. Et la personne, elle se doit d'avoir sincérité et loyauté envers les dirigeants des musulmans. Et An-Nasiha envers les gouverneurs des musulmans, elle a lieu de la façon suivante. Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi, il décrit cela dans l'explication de ce hadith par le fait que tu as la conviction qu'ils sont des gouverneurs légitimes, car celui qui n'a pas cette conviction là, il ne sera pas sincère et loyal envers eux. Et donc par cela, quel est le résultat de cela? Il ne se soumettra pas à leur jugement et ne leur prêtera pas allégeance. Et ça va conduire à quoi cela? Ça va conduire à quoi cela? Le fait qu'il n'ait pas conviction qu'ils sont des gouverneurs légitimes, ça va conduire à tout mal. C'est-à-dire que ça va conduire au désordre sur terre et à tout mal. Donc c'est pour cela que l'islam, il enjoint à l'union des musulmans. Car si la personne, elle ne trouve pas légitime, elle n'a pas la conviction qu'ils sont des gouverneurs légitimes, qui va-t-il prendre comme dirigeant dans l'état dans lequel il vit? Et sans aucun doute, cela va amener au désordre et à tout mal. Donc la première chose, c'est le fait que tu aies la conviction qu'ils sont des gouverneurs légitimes. Et la sincérité aussi envers eux et de leur obéir dans le convenable, bien sûr, de leur obéir dans le convenable. Et le fait que yani, on te donne des ordres dans le convenable, dans ceux où il n'y a pas de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien la personne se doit d'obéir. Et elle se rapproche d'Allah par cela, comme cela est mentionné dans les textes
dans les textes sacrés, comme cela est mentionné dans le texte sacré, et aussi fait partie de la sincérité envers les dirigeants musulmans, le fait que ceux qui à qui on leur a confié des tâches, yani il est employé, il est directeur dans la société dans laquelle il vit, il est enseignant, il est juge, il a une part de direction et on lui a confié des tâches, donc il se doit de les appliquer et de les mettre en œuvre comme cela lui a été ordonné. Donc tous ceux qui sont chargés d'un aspect des affaires musulmans par le dirigeant, il doit être sincère en cela et faire cela comme il lui a été demandé. Quant à celui qui est négligent ou qui a des manquements, il n'aura pas fait preuve de sincérité envers le dirigeant. Et aussi la personne envers Allah subhanahu wa ta'ala, elle se doit de faire son travail de manière parfaite. Ce à quoi on t'a confié, les tâches qu'on t'a confié, tu n'as pas le droit de trahir, tu n'as pas le droit de tricher, tu n'as pas le droit de voler ou toute autre chose qui va en contradiction avec ce qui t'a été demandé. Car cela sera cause que tu aies fait preuve de négligence face à ce qui t'a été confié. Aussi fait partie de Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, il dit que fait partie de la nasiha envers les dirigeants des musulmans le fait de propager leurs qualités et leurs bonnes actions au sein de la communauté. Et pourquoi cela? Car cela, ça va aider à l'union des musulmans. Et c'est une chose qui est demandée, de s'unir sous un dirigeant, un seul et même dirigeant musulman. Et c'est une cause d'apporter tout bien. C'est une cause d'apporter tout bien. Indifférent, au contraire, contrairement à certains, certains ignorants qui propagent les défauts des gouverneurs sur les réseaux sociaux, dans les assises et autres. Il n'y a aucun doute que cela ne fait pas partie de an-nasiha, ça ne fait pas partie de ce qui est demandé, le conseil, ça ne fait pas partie de la sincérité et la loyauté envers les dirigeants musulmans, et cela amène à tout mal, au désordre et à tout le mal. Et ils propagent leurs défauts dans les assises, et comme on a dit, cela ne fait pas partie du bon conseil et de la sincérité, de la loyauté envers les dirigeants, et ils cachent leurs qualités. Ils cachent leurs qualités. Et le fait de savoir que même si ils ont des manquements, il ne fait pas partie de la sincérité, de les propager aux gens. Comme on a dit, tout cela amène au désordre, au mal. Mais qu'est-ce qui est demandé? Comment se comporter? C'est ce qui fait partie de la sincérité et de la loyauté envers eux, c'est de les informer. Si la personne en est capable, bien évidemment, ou par l'intermédiaire d'une personne qui est capable de cela. Sinon, ce qui est obligatoire à la personne, c'est de garder le silence, car elle est excusée du fait de l'incapacité de pouvoir apporter le conseil. Et le fait de savoir que ceux qui parlent dans les assises des dirigeants musulmans, il ne fait par cela qu'instiguer le mal et à pousser au mal, et aussi à diviser la communauté et à amener à la révolte. Et ceci ne fait pas partie de la sincérité et de la loyauté envers les dirigeants des musulmans.
Le musulman, il agit avec sagesse, il agit avec bon comportement, il appelle à l'union des musulmans. Et tout cela, le fait de parler en mal dans les assises, dans les réseaux, à travers les réseaux sociaux et autres, tout cela incite les gens à la révolte et à la médisance. Ça fait partie aussi de la médisance. Yani, tu n'as pas porté conseil, mais tu as propagé le mal dans les réseaux sociaux, dans les assises ou autres. Le prophète, alayhi salatu wa salam, quand il a décrit la médisance, il a décrit par sa parole, alayhi salatu wa salam, dhikruka akhak bima yakara, que tu dises à propos de ton frère ce qu'il déteste. Et ça, c'est de manière générale. Yani, une personne qui est absente, yani, et qu'il n'aimerait pas entendre ce que tu es en train de dire en sa présence. Il n'aimerait pas entendre ce que tu es en train de dire en sa présence. Eh bien, cela fait partie de la médisance. Et ça, c'est de manière générale, yani, concernant les musulmans de manière générale. Alors, qu'est-ce que ça en est si cela concerne les dirigeants des musulmans? Donc, le fait de prendre garde à cela, et aussi le fait de savoir que le fait de se comporter de tel, ça ne fait pas partie de l'interdiction du blâmable, comme certains peuvent le prétendre. Bien au contraire, c'est l'essence même du blâmable, que de dévoiler les dévoiler lors des assises. Et ta propre personne, toi, si tu commets que tu as des manquements dans des choses ou autres, tu n'aimerais pas voir cela dans les réseaux sociaux, tu n'aimerais pas voir cela, que les gens parlent de toi dans des assises. Yani, la personne, elle n'est pas infaillible. Et yani, tu préférerais que la personne vienne te voir de manière discrète et vienne te voir en personne de manière discrète afin de te conseiller de la meilleure des manières, avec sagesse, avec douceur. Car c'est cela qui apporte résultat. Et c'est cela qui est recherché par an-nasiha, par le conseil sincère. Donc, le fait de savoir que l'interdiction du blâmable, il a une méthode à suivre. Et le fait d'interdire le blâmable en ce qui concerne les dirigeants et de leur faire parvenir un conseil sincère, avec sagesse, avec douceur, si possible, si la personne elle en a la capacité. Et c'est cela l'interdiction du blâmable. Quant à celui qui en est incapable, qui est incapable de faire cela, qu'est-ce qu'il lui est demandé de faire? De garder le silence, car il est excusé du fait de son incapacité. Et comme le dit Cheikh Al-Fawzan, il ne faut pas les critiquer en disant ceci est l'interdiction du blâmable, car cela aura aucun résultat. Aucun résultat bénéfique. Tu peux attendre par cela. Et ne fera au contraire qu'accroître leur rancune et rage à l'encontre de leur sujet, et du mal en découlera. Tu peux attendre que mal qui en découle de cette manière d'agir. Et il s'en prendrait aux prêcheurs et aux étudiants en sciences du fait de ces critiques qui sont répandues, et cela causera du tort à la communauté. Ceci n'est donc ni de la sincérité envers les dirigeants, ni interdire le blâmable. Donc on a compris par cela que l'interdiction du blâmable, elle a une méthode à suivre, et cela est par le fait de porter le conseil sincère, si la personne elle en a la capacité. Si la personne en a la capacité, le conseil sincère avec douceur et sagesse, comme le font les savants de l'islam, et aussi fait partie, comme le dit Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, du conseil de la sincérité envers les dirigeants des musulmans, le fait de cacher leurs défauts. Et ce, tant que possible.
car il ne fait pas partie du bon conseil et de la loyauté envers les dirigeants de propager leurs défauts. Pourquoi ? Quel est le résultat ? Comme nous l'avons cité, car ceci mène à la corruption et au désordre. Et même encore plus grave que cela. Yani, qui peut prendre la responsabilité de ce qui va suivre ? Cela a même la révolte, le désordre, par le fait de se révolter, par le fait de propager les défauts qui amènent au désordre dans la société, ça peut même amener à l'effusion du sang. Comme cela a pu être remarqué à travers les différentes révoltes qui ont eu lieu à notre époque. Il y a des exemples clairs pour cela, pour ceux qui recherchent vérité face à cela. Qu'est-ce que ça a mené les révoltes? Qu'est-ce que ça a mené le désordre? Qu'est-ce que ça a mené la propagation via les réseaux sociaux en prétendant par cela interdire le blâmable? Qu'est-ce que ça a mené comme mal jusqu'à amener l'effusion du sang? Et qui peut avoir la responsabilité, prendre cette responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, d'avoir été une part de cause de l'effusion du sang, de la révolte, du désordre? Et la personne qui ressent que elle va se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'elle a encouru, si elle a été cause de mal, ce qu'elle a encouru comme mal par sa cause. Donc la personne, elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a légiféré une manière de porter conseil au gouverneur, et ceci doit se faire de manière secrète, car c'est cela qui amène stabilité, qui amène fruit, et c'est ceux qui accomplissent à l'exemple des savants de la communauté. Et peut-être que certaines personnes ignorantes qui pensent que sous prétexte que les savants ne dénigrent pas les dirigeants de manière publique, que ceci implique qu'ils ne les conseillent pas en privé. Or ceci c'est faux. Et au contraire, ça fait partie même de la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que tu recherches pas l'agrément des gens, tu recherches l'agrément d'Allah. L'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'agir de telle manière, de porter conseil comme le font les savants de l'islam à toute époque, de manière secrète ou en écrivant ou autre, tout cela a de grands intérêts. Parmi les intérêts, le fait de préserver l'union des musulmans. Et ça, c'est un grand bien qui est demandé et qui est recherché. Donc, on voit que le fait d'être sincère et loyal envers les dirigeants des musulmans, c'est de les conseiller s'ils ont manquement sur des choses, et que cela ne doit pas se faire, cela doit se faire secrètement, avec sagesse, avec douceur, et ne doit pas se faire lors des assemblées ou via les réseaux sociaux, car comme nous l'avons cité, cela ne fera amener au désordre, amener au mal. Mais cela doit se faire entre le conseiller, celui qui veut un conseil sincère, et le dirigeant, soit de manière orale, soit à l'écrit, ou soit en s'adressant à quelqu'un qui le contactera en privé et attirera son attention sur la chose voulue. Voilà certaines choses qui sont demandées vis-à-vis du comportement envers les dirigeants des musulmans. Et aussi, nous avons parmi la sincérité et la loyauté envers les dirigeants des musulmans, le fait d'invoquer en leur faveur. Ça fait partie des choses qui sont demandées. Le fait d'invoquer en leur faveur pour leur droiture,
Pourquoi? Car leur droiture amène à la droiture de la communauté, à l'union des musulmans, à la stabilité et la sérénité dans les pays musulmans. Et c'est cela qui est demandé. Le musulman, il appelle à l'ordre, il appelle à l'union, il appelle au conseil sincère. Et il met en garde contre le désordre, il met en garde contre tout ce qui peut amener à désunir les musulmans, tout ce qui peut amener à diviser les musulmans, tout ce qui peut amener au mal, au désordre, à l'effusion du sang. Le musulman, il ne peut pas prendre ses responsabilités devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça fait partie de la voie des pieux prédécesseurs, le fait d'invoquer en leur faveur, dans les prêches, dans les assises. Cela ne veut pas dire de les louer pour ceux qui ne se trouvent pas chez eux, mais ce qui est demandé, c'est d'invoquer en leur faveur. C'est ça qui est demandé. Guider d'Allah pour eux, subhanahu wa ta'ala, droiture et guider et rectitude. Et cela a été rapporté de Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, qui disait: si j'avais une invocation exaucée, si j'avais une invocation exaucée, je ne la donnerais qu'au gouverneur. Je ne la donnerais qu'au gouverneur. Et ceci fait partie de la grande compréhension, rahimahullah, qu'il avait, parce que la rectitude des musulmans provient de celle des dirigeants des musulmans. Il fait donc partie de la sincérité envers le dirigeant d'invoquer pour lui. Yani, c'est ça qu'il fait, pas contre lui, d'invoquer pour lui. Yani, pour son bien, pour le bien de la communauté et pour le bien des musulmans. Donc c'est ça la meilleure manière d'être sincère envers les dirigeants et d'invoquer pour eux en leur faveur, pour leur droiture. Et c'est ce qui a été rapporté des pieux prédécesseurs, qu'ils invoquaient en faveur des dirigeants au point qu'ils disaient qu'il faut invoquer pour eux durant les serments du vendredi et ceux des deux fêtes. Et ceux des défaites. Et nous avons dit aussi, comme le cite Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah alayh, le fait de leur obéir dans le convenable. Le fait de leur obéir dans le convenable, car il n'y a pas de désobéissance. Il n'y a pas de désobéissance aux dirigeants des musulmans dans la désobéissance à Allah. Comme le prophète sallam a dit, la ta'at al-makhluqi fi ma'siyatin khaliq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur, dans la désobéissance au créateur. Donc le fait de leur obéir dans le convenable, et ce hadith a été authentifié par Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi. Et le fait que tu obéisses au gouverneur dans le convenable, cela fait partie de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a ordonné cela. Donc tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala par cela, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Donc ce verset prouve que la personne, elle obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une partie d'obéissance à Allah. Ô vous qui croyez, Allah il dit, ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Si un différend survient entre vous, portez-le devant Allah et le messager si vous croyez en Allah. Et au jour dernier, ceci sera meilleur pour vous dans le présent et le meilleur aboutissement. Donc voilà certaines règles qui nous est demandé de suivre dans notre relation envers les dirigeants des musulmans, et aussi le fait de ne pas se révolter contre eux, ni par les actes et ni par la parole, car la révolte par la parole mène à la révolte par les actes. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا.